Mais toi, le monsieur, il est parti. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es tout seul. T'es tout seul, mec. En V1, qu'est-ce que tu vas? Je te direct ici. Qu'est-ce qu'il y a? Salut tout le monde, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous rappeler que j'avais sorti la semaine dernière un nouveau clip. Donc, je vous mettrai le lien du clip en description. N'hésitez pas à aller voir en masse. Et à laisser un like si vous voulez me soutenir et si vous avez kiffé le délire. Du rap sans talent, j'ai juste besoin d'argent. Je me fais tout seul, j'ai pas besoin d'agent. J'ai de l'argent sale, mais j'ai du détergent. J'écris mes textes en deux secondes, j'ai pas le temps. D'ailleurs, je les mets tous à l'amende. J'ai pas de flow, mais je te mets des amendes. Sur tes clips, tu fais que 10 000 vues, c'est immonde. J'ai pas attendu le mérite dans ce monde. Salut tout le monde, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tout simplement piéger un racketeur avec un cluncher. Donc, à l'aide de mon poteau Kryptonite, je vous mettrai le lien à sa chaîne en description, qui va jouer tout simplement le cluncher. Et aussi, à l'aide de mon poteau Nagir06, allez lui donner un maximum de force. Je vous mettrai aussi le lien de son Instagram en description, qui va tout simplement jouer le complice. Qui va tout simplement jouer le mec qui va se faire racketter. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vidéo qui a été très très difficile à tourner. On a pris sur plusieurs jours avant de pouvoir vraiment tomber sur un racketteur. Donc c'est pour ça que j'avais demandé à mon poteau Navier06 de passer à chaque fois devant des gens qui avaient l'air un petit peu louches. Je lui avais dit qu'une fois qu'on tomberait sur un racketteur, de se laisser un petit peu faire pour pouvoir justement le piéger. Donc voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme je vous ai dit, elle a été très difficile à tourner. Donc je compte sur vous, si la vidéo vous plaît, pour laisser un maximum de likes afin de pouvoir me soutenir. N'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube histoire de suivre les futures vidéos et à partager cette vidéo afin qu'elle puisse sensibiliser un maximum de monde, car oui, il y a quand même un petit message de prévention derrière. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Oh putain, j'ai froid. Hein? Ça va? Moi? Moi? Quoi, c'est que je bois? Poto, je suis tout seul ici, tu as vu? Ouais. Des potes à moi et voilà. Mais moi, je suis pressé votre base. Ah, ça va, c'est un armagnac, mec. Quoi, c'est de l'armagnac? Armagnac? Oh, lourd. T'as jamais bu? Si, vas-y, je t'en prie. Attends. Vas-y, moi je dois partir. Du cœur, hein, y'a pas de soucis. Bon, tranquille, mais arrête de prendre le bouchon. T'inquiète. Allez, frérot, regarde. Tu prends la bouteille. Oh, mec. Prends la bouteille carrément. J'ai une deuxième bouteille, vas-y, viens. Ah, c'est bon, t'inquiète, tiens, avec moi. Écoute, viens, assieds-toi. Tiens, gros. Assieds-toi avec moi. Mec, c'est ta bouteille, tiens. 5 minutes, tranquille. J'attends les potes, ils doivent venir. Tiens, mon compagnie, je sais s'il arrive au moins, non? Bah, mais moi je suis pressé, je suis désolé. Sûr? Ouais, mais. Bon, t'as pas un téléphone, vite fait, que je les appelle. J'ai pas de batterie. Je suis désolé, j'ai pas de batterie. Mais attends, frère, mon téléphone aussi, mais vas-y, s'il te plaît. J'ai pas de batterie, il est éteint. Tu te maquilles ou quoi? Comment ça, je t'ai passé un truc à boire et tu me dis, t'as pas de téléphone. Mais gros, mon tel, il est éteint. Fais voir. Comment ça, fait voir? Bah, fais voir. Pourquoi? Bah, je suis sûr que tu mens. Comment ça, je mens? Parce que ton téléphone. Pourquoi tu veux me fouiller? Non, je te fouille pas, mais vas-y, par contre. Mec, vas-y. Par contre, recule. Vas-y, passe-moi ton téléphone. Hey, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Hey, je t'ai passé un truc à boire. Par contre, me touche pas. Je t'ai passé pas, un truc à boire, non? Ouais, mais vas-y. Quoi, tu veux Vas-y, bah, tu sors mon téléphone maintenant, je te dis. Quoi, tu veux vraiment? Je le sors maintenant. T'es sérieux là? Oui, je suis sérieux. Ce qu'il y a? Sors-moi maintenant, vas-y. Il est éteint. Attends, moi, je te passe un truc à boire tranquille comme ça. Je t'appelle frère. Et ah, toi, mais tu gros, dis t'as pas de téléphone, il est mort, je sais pas quoi. Quoi, tu veux vraiment je prends chinois direct. Comment ça, je prends chinois? Bah, comme ça. Passe-moi le téléphone, vas-y, file. Filme-moi ça, vas-y. Quoi, tu veux prendre? Je rien s'il est éteint. Non, mais c'est bon, touche pas mon téléphone. Je regarde. Non, tu touches pas mon tel. Vas-y, touche pas mon tel. Quoi, il est éteint, c'est bon, c'est... tu vois pas. Je regarde, attends. Ouais, quoi, mais touche pas. Mais rends-le-moi, qu'est-ce que tu fais? Ah, il est éteint, ouais, il est éteint, mon. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais gros, repasse mon tel, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Y'a pas de tel, même. Ah, mec. Y'a pas de tel. Mais mec. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle? Quoi? C'est drôle? De quoi c'est drôle? Quoi c'est drôle? Y'a pas de tel? De quoi c'est drôle? Mais je sais pas, c'est toi qui rigole. C'est bon, tu fais le mariage. Tu fais le malin. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as 30 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y. T'as 20 ans plus que moi, tu fais le malin. Prends ton sac, tu fais le malin, t'as 20 ans. Ah, mec, on touche pas mon sac, je te dis comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux faire mon sac? Tu me boutes sur la gueule ou quoi? Quoi, tu me mets. Tu veux sur la gueule? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quoi, tu vas faire quoi avec ta bouteille? Rien, ah, vas-y, casse-toi. Ne touche pas mon sac comme ça. Casse-toi, sinon je fais mon sac. Sinon je vais faire ce qu'il faut faire. T'as en mon tel, tu me le rends. Y'a pas de tel, quel tel? Mais j'ai un tel? Tu vas le regretter. J'ai un tel, mais y'a pas de tel ici. Tu vas le regretter. Y'a pas de tel ici. Tu vas le regretter. Ah, mec, il me prend mon téléphone, gros. Mais non, mais. Y'a pas de téléphone. Quoi, je suis dans mon sac et tu prends mon téléphone. Il m'a pris mon téléphone, monsieur. Quoi? Je sais pas, depuis tout à l'heure là-bas. Moi je passais tranquille, il était assis là. Il pique mon tel, je suis dans mon sac. Il m'a vu, j'étais en train de boire. Attends. Quelqu'un de bourré, sincèrement. Écoute. Il m'a dit donne-moi votre téléphone. Et voilà, il m'a pris mon téléphone, regardez dans mon sac. Attends, c'est toi qui l'as pris son téléphone? J'ai pas pris son téléphone. Ah, monsieur, il était mort, il est là, il pique mon. Attends, écoute. Frérot, on dirait un clochard, regarde, il est là, il a une dégaine. Justement, tu vas pas me dire c'est lui qui t'a volé ton téléphone, frère. Gros, j'ai que ça à faire de
voler mon téléphone. Regarde, t'as pas honte de voler des gens comme quoi, ça. Quoi, tu veux ma montre aussi? J'ai un vieux Nokia. Quoi, tu veux ma montre aussi? Ah frère, attends, il y a un Attends, écoute, frère. T'as pas honte de voler des cloches comme ça? Des cassos comme ça? T'as pas honte? Frère, c'est un skeg. Quoi, t'as un skeg? Un peu de respect, quoi. T'as pas honte, frère, de voler des cassos comme ça? Ah, j'avoue, non. Attends, il faut un peu de respect, non? Tu sais qui a volé qui là? C'est toi qui l'as volé son téléphone? Non, c'est lui qui m'a volé. Il a vu la bouteille, il a dit, voilà, monsieur. Il est où le téléphone? Sortez ce que vous avez dans les poches là. T'es marre, regarde, il me reste une clope. Moi, j'appelle les flics, hein. Moi j'habite juste à côté, y'a pas d'embrouille comme ça à côté de chez moi. J'ai des feuilles, une clope. Y'a quoi dans tes poches? Y'a quoi? Dis ça. Bah t'es mal, y'a un téléphone qui ressort. Tu me prends pour un con. Ouais, écoute. Attends, deux secondes. Je vous jure, je suis en train de passer, regardez, dans mes poches y'a rien. Là j'ai juste cette bouteille, l'harmoniaque. D'ailleurs si vous voulez, j'étais en train de boire, il me dit ouais, arrête-toi et d'un coup il m'agresse. Du coup c'est lui qui t'a volé ton téléphone? Oui, j'avais un bon. Lui il dit que c'est lui qui t'a volé ton téléphone. Qui c'est qui a volé le téléphone avec c'est quoi ce gars? C'est lui qui a volé. Ah écoute, il m'a fait que mon tel, il chute dans mon sac et après tu parles. Après tu parles de téléphone. Mais vous avez pris mon téléphone? Un Nokia? Mais il n'y a pas de téléphone. Un vieux Nokia. Il a pas de téléphone dans ses poches. Ah, tu me dis, il est mis dans son sac. Fais voir ce qu'il dans le sac. Tiens, regarde mon sac, regarde. Espèce de gros zig, regarde. Vas-y, rends-lui son téléphone, frère. Les... Quoi, c'est un. Viens, tu vas où, tu vas où? Bah, non, j'ai pas, il va sortir un truc de son sac. Il va sortir, viens, t'inquiète. Ah. C'est bon. Par contre, ne me touchez pas. Quoi, me touche pas? Je sais pas. Quoi, tu viens de tête à tête avec moi et après tu dis, ouais, me touche pas. Attends, fais voir. Vite tes poches, montre ce que t'as dans les. Ah, là, tu fais moins de mariole, hein. Fais voir, t'as quoi dans les poches? Y'a rien ici. Moi j'ai rien. C'est rien. Fais voir. C'est quoi ça? Oh! Oh! Oh, mais c'est monté! C'est le téléphone de ma soeur. Mais tu me prends pour un con quoi? Non, c'est le téléphone de ma soeur. Tu vas me piquer il y a 5 minutes. Attends, regarde. On va mettre les choses au clair. C'est quoi le code? Vas-y, fais le code. Et pourquoi il connaît le code du téléphone de ta soeur? C'est. Ta soeur, il a fait du sale? Tu connais ma soeur? Je l'ai. Ta soeur, ça. Ça. Ouais, je l'ai prise comme ça, tata. C'est le téléphone de ta soeur ou c'est son téléphone à lui? Espèce de zig. Attends, mais... Voilà. Ah, ne pars pas, tu vas faire quoi? Reste là. C'est à qui le tel? Il est à qui le tel? Le sac. T'as cru que c'était un ballon de foot? J'ai trouvé là par terre. Mais écoute, frère, moi je marchais comme ça, j'ai vu le téléphone par terre, je l'ai pris. Je suis venu ici, le monsieur est passé, je l'ai arrêté, je dis monsieur, attendez, regardez, j'ai trouvé un téléphone, est-ce que ce serait pas la vôtre? Attends, moi je comprends tout ce que j'ai fait, moi. Il y a un truc que je comprends pas, regarde. Moi je viens d'arriver, tu vois. Attends, je t'explique. Je viens d'arriver, j'habite juste à côté, là c'est limite mon terrain ici, tu comprends? Donc moi je veux pas qu'il se passe des choses comme ça ici déjà, je t'explique. Donc voilà, moi j'arrive, pourquoi tu dis qu'il t'a volé ton téléphone, après tu dis qu'il a trouvé le téléphone, c'est toi qui est bizarre. Franchement au début je croyais que c'était lui, tu vois. Après, non, c'est bizarre, qui c'est qui a volé le téléphone de qui? Frère, j'ai bu ça. Mais regarde-moi ça. J'ai bu ça, j'ai dit. Je vois pas, il est bourré. Je marchais, j'ai vu le truc par terre. Je l'ai arrêté, j'ai dit, regarde. Tu vois pas comment il a fait avec ton téléphone? Quand les gens me disent non. Il m'a dit non, moi j'ai. Voilà. Je vais t'expliquer. Moi je suis direct. C'est mon terrain ici. Voilà, je te dirai, je te préviens. Attention. C'est mon terrain ici. On va régler les choses de ma manière. Je vais chercher les affaires. Je reviens dans le milieu. Bouge pas ici. Je reviens. Bah tu restes moi, là, moi je reste. Ah, écoute-moi. Je suis direct, ici c'est mon terrain, on va régler les choses à ma manière. Je te dis. Je reviens dans les minutes, tu bouges pas ici, je te préviens. Je le dis direct, attention. Bouge pas ici. T'as compris lui? Lui, il a tout le terrain ici. Il a tout le terrain. C'est son terrain. Et toi t'es là, tu fais le mec là, tu fais le mariole. Ouais, écoute-moi bien maintenant. Quoi, écoute-moi bien. Tu fais le malin devant les gens maintenant? Ah, maintenant t'as eu des coups maintenant, c'est ça? Comment ça? Attends, le monsieur il est venu, ça y est, t'as pris des coups, mec, c'est ça? Mec, t'es devenu un homme direct, c'est ça? Écoute. Il était là, regarde, écoute-moi bien. Maintenant le monsieur il est parti, qu'est-ce que tu vas faire? T'es tout seul, mec! Qu'est-ce que tu vas? Je te soulève direct ici, qu'est-ce qu'il y a? T'es un gros cassasse, gros. T'es un vieux, gros. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as 20 ans plus que moi. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as 20 ans plus que moi, tu vas faire quoi? Pourquoi tu regardes ma montre? Je le veux maintenant. Tu faisais le guignol là, tu faisais le malin quand il était là. Tu touches pas à ma montre? Quand il était là, tu faisais le malin, là. T'avais des couronnes, il est parti. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es tout seul, mec. Quoi? Tu te rends compte, t'es tout seul. Vas-y, contre moi. Bouge, vas-y, sors, tu t'approches pas de moi.
sur ma montre. Je t'approche au dos. Enlève la montre. Non, je enlève la montre, je te dis. Touche pas à ma montre. Touche pas à ma montre. Tu vas me le donner. Tu touches pas à ma montre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, du gros, tu touches pas. Tu veux me buter dans ta gueule ou quoi? Vas-y. Tu veux me buter dans ta gueule? Range ça, range ça. Le super héros qui arrête tous les méchants. Oh, range ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je vous prie de poser cette bouteille au sol. Range ça, range ça. Ceci n'est pas convenable. Je vous préviens, je vais devoir utiliser mon arbuste. Range ça, c'est bon. Shoot-le. Quoi, vous vous connaissez? Comment ça? Mais lui, tu comprends pas, il a tout le terrain, okay. C'est Robin des Bois. Vous faites le malin. J'ai capté votre jeu, bravo! Bravo, j'ai capté votre jeu. Ça y est, vous vous connaissez, c'est bon? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, bouge. Sors-moi ton téléphone aussi, voilà. Quel téléphone? Ton téléphone à toi et ton téléphone à toi, tous les deux. Vas-y. Tous les deux, hé, c'est toi qui as son téléphone, alors tu me le donnes. Non, j'ai pas de téléphone. Moi j'ai pas de téléphone. Je vais arriver là, on va me sauver. Baisse la bouteille là. Ouais, recule. Il va atterrir. Où ça? Il va atterrir sur ta tronche. Baisse la bouteille. Attention, prends les distances. Recule. Range-moi ça. Prends les distances. Recule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu touches pas la bouteille. Tu vois quoi? Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Oh, je le connais pas, lui. Du rap sans talent, j'ai juste besoin d'argent. Je me fais tout seul, j'ai pas besoin d'agent. J'ai de l'argent sale, mais j'ai du détergent. J'écris mes textes en deux secondes, j'ai pas le temps. D'ailleurs, je les mets tous à l'amende. J'ai pas de flow, mais je te mets des amendes. Sur tes clips, tu fais que 10 000 vues, c'est immonde. J'ai pas attendu le mérite dans ce monde.